ça? Parfait. C'est pas parce que la réponse n'est pas sur la carte que vous n'avez pas le droit de la contredire, c'est à vous de décider en consensus. Il est là-bas, non? La dirait aussi, les gens qui ne sont pas présentables, est-ce que vous n'êtes pas un peu pour l'enlever ou pas? Alors les enjeux des produits phytopharmaceutiques dans la sème agricole, ils sont un petit peu anciens, c'est-à-dire ils datent du Grenelle de l'environnement de 2009. Alors il y a l'enjeu de l'eau par rapport aux pollutions aquatiques, il y a l'enjeu de la biodiversité par rapport à toute la faune et y compris les sols, hein, donc c'est une question d'actualité. Il y a évidemment la question de santé publique qui correspond aussi à une demande sociétale pour une alimentation saine et durable, si je puis dire. Et donc l'enseigne agricole a comme rôle de montrer à l'ensemble de l'agriculture les possibilités, donc en expérimentant sur le terrain. Puisque ça va impacter la biodiversité, donc il y a des rapports systémiques en fait assez complexes qui font que c'est vraiment un enjeu très global. Voilà. Donc la réduction des pesticides, c'est un peu la clé finalement pour réussir une agroécologie à l'échelle des systèmes. Alors les projets Ecophyto ont démarré en 2009. Donc il faut rappeler que l'enseigne agricole a été pratiquement le premier en France à démarrer réellement Ecophyto, puisque les projets défis fermes ont démarré vraiment en 2010. Donc en 2009, il y a eu 25 établissements, donc ça s'appelait l'Action 16, qui s'est étalée jusqu'à 2016. Et on est monté à 40 établissements environ, jusqu'à 2016. Par la suite, ce projet ayant donné des effets positifs sur le plan technique, c'est-à-dire une baisse des IFT qui correspond pratiquement à l'objectif Ecophyto, on a mis la focale sur la pédagogie, sur Éduc'Ecophyto, donc avec seulement 10 établissements, à la suite de l'Action 16. Donc là, je parle de projets nationaux, bien sûr, et qui se poursuit aujourd'hui avec Ecophyto'TER. Alors ma position sur les phytos, avant de commencer ce travail, moi j'étais ni pour ni contre. Dans les exploitations que je connais régulièrement, on en utilise. Avant de travailler en BPREA, j'en avais pas vraiment, je travaillais en viticulture, mais je faisais un peu ce qu'on me disait, du soufre, du cuivre en bio, quoi. Vraiment de position. J'en avais pas particulièrement. J'avais entendu parler des incontournables soufre, cuivre et glyphosate, mais je comprenais pas les dangers que ça pouvait représenter. Alors Ecophyto'TER, c'est un projet qui s'inscrit en fait dans le plan EPA2 enseigner à produire autrement pour les transitions et dans Ecophyto de plus, qui a été financé par l'OFB et commandité par la DGER. C'est un projet qui regroupe en fait 31 établissements d'enseignement agricole, avec lesquels on a travaillé sur 3 objectifs. Donc le premier, c'est un objectif technique qui est de démontrer en fait la faisabilité locale de reconception du système de production. Le deuxième objectif est un objectif pédagogique, dans le but de renforcer la formation. Et le troisième objectif, un objectif territorial, pour affirmer le rôle de l'enseignement agricole sur les territoires. Nous nous sommes engagés parce que l'appel à projet Ecophyto'TER et le dispositif qui s'en est suivi cochaient toutes les cases pour l'établissement et on sentait bien dès le début que ce pouvait être un formidable levier de développement à la fois pédagogique et territorial. Cela faisait 10 ans que nous travaillions sur le plan Ecophyto, notamment sur l'exploitation agricole, et nous faisions le constat en équipe que nous avions encore besoin d'appui, de partage d'expériences, de regards croisés, d'outils diagnostiques d'un collectif pour nous faire évoluer sur nos situations d'apprentissage, de formation, et que nos apprenants soient davantage en capacité de réfléchir, d'agir, de prendre la parole sur ce que nous a permis le dispositif Ecophyto'TER. Ecophyto'TER, c'était vraiment pour nous l'occasion de donner à nos apprenants à voir et surtout à construire, pour leur donner à réfléchir et à s'exprimer sur la problématique des produits phytopharmaceutiques. C'est vrai que sur l'établissement de Chambray, il y a une histoire, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille quand même sur des démarches de réduction d'intrants. On a participé à la démonstration agriculture durable, donc c'était fin des années 90, début des années 2000. On a après, en 2003, démarré l'Action 16 du projet Ecophyto, où là c'était pareil, fallait mettre, là c'était plus expérimental, c'était mettre en place des dispositifs visant à réduire les intrants. Après il y a eu le dispositif Éduc'Ecophyto qui là était plutôt pédagogique, parce qu'on justement s'est rendu compte que dans l'action 16 on était trop expérimental, trop technique et pas assez pédagogique. Donc dans Éduc'Ecophyto on est allé plus sur la pédagogie et je trouve que finalement il y a un lien entre les deux et justement Ecophyto'TER, je trouve qu'il y avait le lien entre les deux, c'était le projet global qui nous intéressait aussi, d'allier le technique et le pédagogique, toujours dans un but de former nos jeunes à l'agroécologie quand même. Par ailleurs, Ecophyto'TER permet pour nous aussi de placer un cadre dans les actions pédagogiques et les actions expérimentales, en fournissant non seulement ce cadre, mais aussi des ressources humaines, financières et une méthode de travail qui permet de jalonner le travail pédagogique et le travail sur l'exploitation. Quels sont les autres types de désherbage non nocifs pour le houblon qui vont remplacer les moutons ? Il y a certains inconvénients lorsqu'on utilise des moutons, comme les traitements au cuivre.